Bonjour à tous, je suis Jean-Baptiste Lautier et bienvenue dans Tech in Sport, un podcast Alliance, médias numériques et business. Performance sportive, cybersécurité des événements, data, intelligence artificielle. Dans ce podcast, nous allons décrypter tous les impacts du numérique sur le monde du sport avec en ligne de mire les JO de Paris 2024. Aujourd'hui, on va évoquer comment la billetterie permet d'améliorer l'expérience des fans. Pour ça, on est avec Alexandre Maiolini. Bonjour Alexandre. Salut Jean-Baptiste. Alors Alexandre, tu es CEO et cofondateur de la startup Tiki. Donc là, Alexandre, on se retrouve à la station F. Donc c'est là que vous avez posé vos valises depuis déjà quelques années, c'est ça ? Ça fait un an à peu près qu'on y est. Et donc ça se passe super bien. Et c'est un des très beaux locaux et un très bel environnement pour justement un peu un hub de l'innovation. C'est un endroit dans Paris où on retrouve beaucoup de startups, où il y a des incubateurs, des accélérateurs de startups. Exactement, c'est plus de 1000 startups, donc il y a pas mal de monde, on va dire. Mais ouais, alors, franchement, un écosystème très très cool, un écosystème qui va permettre vraiment d'aller un peu plus loin et de aussi croiser d'autres personnes qui ont les mêmes difficultés que toi à d'autres échelles ou qui ont déjà craquer tel ou tel problème. Et donc là-dessus, ouais, c'est quelque chose de super intéressant. Et donc, tu t'appuies sur des NFT et de la blockchain pour émettre des billets. Exactement, c'est ça. Explique-nous un peu plus. Notre cœur de métier, si je peux dire, c'est que vraiment avoir une solution de billetterie, mais qui est vraiment un peu dans l'air du temps, on va dire. Comment réutiliser le billet, un peu réutiliser soit son lien émotionnel ou soit son côté un peu plus utilitaire, plus qu'opérationnel, parce que en fait, on s'est rendu compte que maintenant, ton billet, en fait, ça devient juste un QR code que tu as sous format numérique ou encore pire que tu imprimes justement pour après le jeter à la fin de l'événement. Et donc nous, c'est vraiment en fait innover un peu dans ce secteur qui est un peu plus préhistorique, qui met un peu plus de temps à évoluer et comment en fait fournir plein de nouveaux leviers, plein de nouveaux outils aux organisateurs d'événements pour exploiter le potentiel autour des billets. Oui, parce que vous avez fait le constat que l'expérience classique d'une billetterie, elle engage très peu les fans finalement. Ouais, c'est ça, exactement. Et de ce qu'on a vu, c'est vraiment que l'expérience de billetterie, en fait, c'est le premier maillon d'un événement. Tu vois, quand tu vas voir, un concert, un match de foot, de rugby, etc. La première chose que tu fais, c'est que tu viens sur le site web ou sur place encore, ça arrive, mais tu viens acheter ton billet en fait. Et c'est là où tu fais ta première action, tu sors ton argent et tu payes ta place. Pourquoi l'expérience est si différente d'un site d'e-commerce ou de tout autre site? Si cette première approche est pas bonne, ton spectateur a une petite appréhension et ça en dit long un peu sur ton événement. Et ce qui est dommage, parce que l'événement live, c'est toujours un événement particulier où tu as plein de sensations qui est vraiment difficile à retrouver côté du numérique. Et comment tu vas utiliser ta billetterie pour aller plus loin, justement, pour engager tes fans, faire transpirer un peu ta marque, ton événement, grâce à tous ces leviers-là. Et vous avez observé de la part des événements et des clubs un changement depuis le Covid. Exactement, ouais, on l'a très bien vu. Je pense que le Covid a vraiment été un accélérateur sur les modes un peu d'engagement et même de consommation des fans, où là maintenant évidemment le digital qui a pris énormément de part, surtout chez les plus jeunes, pour les faire venir au stade, dans ton arène, à ton événement, va falloir activer des nouveaux leviers parce que maintenant, à l'ère de tout le live, de tous les événements qui sont sur les réseaux, qui sont sur format un peu digitaux, il y a de plus en plus de mal à attirer, à cibler cette personne-là et à leur parler parce que forcément, c'est des nouveaux modes et c'est des nouveaux leviers qu'il faut pour les engager, quoi. Parce qu'ils recherchent quelque chose de plus authentique et de plus personnalisé aussi, là où la billetterie un peu traditionnelle est un peu insipide, où c'est vraiment très opérationnel, quoi. C'est quoi les problématiques des clubs et des événements pour essayer justement d'engager plus les fans? Je pense qu'après chaque club a un peu sa vision, un peu son objectif. Il y a des clubs qui restent très très historiques, il y en a qui essayent de se renouveler, d'être un peu les clubs de la génération Z ou des clubs assez avec une atmosphère, une branding assez innovant. C'est ça aussi qui est assez sympa, c'est que chaque club avec qui on discute ou qu'on accompagne ont un objectif différent. Et donc là-dessus, en fait, la technologie peut pallier à tous leurs besoins parce qu'en fait, si tu as des besoins de maximiser un peu les revenus, maximiser le panier moyen, mieux connaître tes fans, ce qui est vraiment primordial maintenant, c'est vraiment comment je sais qui vient à mon événement, comment aussi je le différencie de la personne cachette parce que très souvent, c'est pas celle-là, et comment je lui parle en fait, comment je communique avec, comment je crée ma marque parce que je pense que le temps où le club de sport est juste un club, il est un peu révolu. Tu vois, maintenant, les plus grands clubs, en fait, ils sont plus une marque autour de ça et ils développent vraiment un univers autour. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est comment je sors un peu du sportif et comment je vais un peu plus loin parce que maintenant on sait que surtout en cette année un peu de JO, tu vois, le sport reste quand même dans les modes de consommation, reste aussi très en avance des tendances, des choses comme ça. Donc il y a beaucoup de choses qui se font. Innover dans ce secteur là ça peut être un très bel accélérateur. Et tout ça à partir du billet. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir comme type d'expérience juste avec un billet qu'on a acheté une fois pour aller voir un match unique? Donc ça, comme je disais, ça commence vraiment à l'achat où nous en fait on supprime un peu toutes les barrières à travers un parcours client qui est super fluide, super personnalisé
personnalisé, mais aussi super gamifié, tu vois. Dans notre billetterie, ce qu'on peut fournir, c'est que tu puisses un peu libérer ton billet et aussi libérer son côté artistique. Donc on sait qu'avant, il y avait pas mal justement ce côté artistique des billets. Il y avait un côté où tu le collectionnais, tu l'encadrais, tu le mettais dans une boîte à chaussures. Ouais, on le gardait en souvenir. Ouais, voilà, exactement. Et moi aussi, j'ai une boîte à chaussures classique, plein de billets. Et donc c'est des choses qui étaient vraiment de notre génération et même de celle d'avant. C'est vraiment ton billet, en fait, c'est un souvenir après l'événement. Et c'est aussi la seule chose que tu gardes. Or que maintenant, ça se garde un peu plus de manière dématérialisée. T'as les photos, les vidéos. Mais c'est ça un peu qui te rappelle ton lien. Et donc nous, au-delà de ça, en fait, on va essayer de créer, de remettre au goût du jour ce billet pour que tu puisses le collectionner. Et dans une vision un peu plus long terme, que ce billet aussi puisse te servir en fait à débloquer d'autres expériences. Donc typiquement, grâce à ton billet, en fait, de manière totalement simple et sécurisée, ton billet peut te servir à accéder, je sais pas, à un groupe de discussion des meilleurs fans du club, à du merch exclusif, des codes promo exclusifs, plein de choses comme ça. En fait, tu pourras débloquer énormément de trucs, tout ça grâce au côté un peu interopérable du billet et de cette technologie là qu'il y a derrière, quoi. Quand tu parles de gamification, qu'est-ce que ça peut être, par exemple, gamification pour l'achat de billets? Alors nous, ce qu'on fait pas mal dans le sport, c'est un peu reprendre un peu cette vibe de carte Panini, carte Sora ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que quand la personne en fait achète un billet, les clubs peuvent aussi à l'intérieur cacher des petits tickets d'or, des petits tickets un peu plus rares, à la manière un peu Charlie la chocolaterie. Je pense que ça parle à beaucoup de gens. Mais t'achètes un billet, t'as plus l'impression de jouer, et en gros t'as pas mal d'animations, justement des petits leviers de gamification qui va te faire dire j'achète ce billet là, c'est pour venir à l'événement, certes, mais aussi c'est pour découvrir si j'ai gagné un ticket rare, si je vais pouvoir collectionner mon ticket dans un peu mon album Panini de 3.0. C'est des choses comme ça qu'on utilise et qui dans le sport aussi, même dans tout type d'événements, sont super pertinents, quoi. Oui, il y a l'idée de la rareté quand même, du fait de pouvoir avoir un ticket, donc on a dit en NFT, c'est-à-dire qui est unique, qui est pas modifiable. Finalement, c'est le côté d'avoir quelque chose de rare, de pouvoir faire de la gamification pour avoir un billet plus rare, pour faire partie d'une communauté donc restreinte qui font des choses spécifiques. Ouais, la rareté, elle est présente partout là dans ce que tu nous racontes. Ouais, c'est ça. C'est vraiment après c'est quelque chose de vraiment optionnel. C'est vraiment au goût des clubs de créer un peu leur propre expérience. Nous, on fournit vraiment la technologie qui permet de le faire pour, mais après c'est des choses justement qui permettent d'engager, d'avoir ta marque. Et ce sentiment de rareté, évidemment c'est un des leviers assez intéressants sur la gamification, parce que t'achètes un billet, tu sais très bien que tu vas avoir un billet classique, mais là en fait tu changes un peu la perception de l'achat du billet et tu casses un peu tous ces points de friction pour que l'expérience en fait elle soit super sympa et que ton expérience commence dès l'ouverture de ta billetterie, quoi. Et on peut imaginer aussi que ça peut aller jusqu'à des années après l'événement. Potentiellement, j'ai un billet pour une finale de Coupe du Monde de foot. Dans 15 ans, j'aurai ce billet, il y aura une communauté qui allait voir ce match. Potentiellement, ça peut créer des retombées sur des événements, des rebonds. Ouais, voilà, exactement, c'est ça. C'est que typiquement, j'ai gagné la Coupe du Monde de 2018. Dans 20 ans, je veux faire un événement commémoratif. Et en fait, automatiquement, grâce à cette technologie, je pourrais pousser une offre ou une invitation à tous les gens qui possèdent le billet à l'instant T, quoi. Donc, c'est vraiment qu'il y a cet aspect un peu de traçabilité, de ce côté un peu intemporel, grâce notamment à la blockchain, on en parlait, qui permet un peu de graver dans le marbre chaque billet. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment un peu vulgariser ces technologies-là qui peuvent faire peur pour beaucoup d'organisateurs d'événements. Oui, si on rentre dans le détail de comment ça fonctionne, c'est complexe à expliquer. Ouais, c'est ça. Puis même les mots, tu vois, des fois au début on parlait beaucoup, blockchain, NFT, en fait c'est des mots que quand t'es pas dans ce domaine-là un peu technique, qui font peur, parce que forcément c'est associé à des choses, soit des photos de singes qui valent des millions, soit des arnaques qui sont relayées sur un peu les médias un peu plus mainstream. Mais au-delà de ça, en fait, ce que j'aime bien dire, c'est qu'un NFT, c'est quoi ? Un NFT, c'est juste un actif qui est numérique. Donc par essence, en fait, un billet peut être un actif numérique, donc un billet peut être un NFT. Un NFT peut être aussi une œuvre d'art numérique, peut être un certificat, un double digital, d'un objet. Enfin, ça peut être tellement de choses. Mais malheureusement, le NFT est mal connoté à cause de tout ce qui s'est passé, sur les marchés, tout ce qui a été relayé. Oui, on a commencé à le connaître en parlant de ce qu'il y avait dans le métaverse et qui était un peu abstrait, qui paraissait un peu loufoque, des chaussures qui avaient des prix incroyables. Ouais, exactement, c'est ça. C'est vraiment, il peut avoir toutes les dérives, tous les univers différents. Mais en fait, c'est une technologie qu'il y a derrière. Et pareil, quand tu parlais d'un mail à l'époque, t'allais pas dire je te propose une solution avec un protocole SMTP, etc. Enfin, c'est l'aspect technique. Et donc pour moi, le NFT, c'est super, mais ça reste aussi un aspect technique. Donc c'est un nouveau format
de billets qui est beaucoup plus artistique, qui est beaucoup plus aussi bah, voilà, sécurisé et traçable. Mais en fait, c'est la technologie, je la vois vraiment comme un moyen et pas une fin en soi. Donc oui, on utilise cette technologie-là, mais c'est vraiment pour l'expérience qu'il y a derrière. C'est ça vraiment qui est différenciant. Ça commence à arriver vraiment, mais c'est ça aussi qui était compliqué à se dire, ah bah voilà, non, NFT, moi je veux pas faire ça, je veux pas faire de la revente illégale, je veux pas vendre des billets à des millions d'euros. Enfin, on a eu pas mal de choses là-dessus qui sont intéressantes. Et donc nous, c'est vraiment bah, notre objectif, c'est de démocratiser tout ça, quoi. Et alors, on en est où de l'utilisation de ce type de technologie dans le sport? Bah alors nous, on travaille avec quelques clubs, voilà, avec des organisateurs d'événements aussi, pas que dans le sport. Des fois, voilà, il y a des gens qui l'utilisent, qui savent même pas que c'est des NFT, aussi bien des clients que des spectateurs finaux, surtout des spectateurs finaux, parce que notre but, en fait, c'est vraiment, bah, comme j'ai dit, d'essayer de fournir cette technologie-là bah, au plus grand monde, parce que si tu parles NFT, voilà, t'as quoi? T'as 1-2% en France de population qui possède bah, ce genre d'actifs, et donc tu peux pas créer une billetterie pour 1% de la population, enfin, ça a aucun sens. Et donc le but, c'est vraiment de l'utiliser, mais de manière super simple, encore plus simple que les outils actuels, où tu peux te connecter voilà, avec un numéro de téléphone, avec une adresse mail ou tes réseaux sociaux, et qu'il n'y a aucune notion en fait un peu plus compliquée. Tout ça, c'est notre problème, on va dire, c'est très technique. Et donc nous, on se focus vraiment sur bah, fournir l'expérience la plus simple au monde pour avoir bah, juste les bienfaits un peu de cette technologie. Et on en est où du côté des clubs? Il y a beaucoup de clubs qui utilisent ces technologies pour justement valoriser l'expérience de fan, ou est-ce que c'est encore assez faible? Ouais, c'est quelque chose bah, qui arrive. Donc là, nous, on travaille voilà, typiquement avec des clubs, clubs de rugby, de foot US aussi, qui se développent vraiment pas mal avec ce côté bah, un peu novateur, club de handball. Donc voilà, il y a pas mal justement pas mal de clubs avec qui on travaille actuellement et qu'on a des super retombées, tu vois, typiquement avec le club de Blagnac avec qui on travaille pour la billetterie ben, depuis nos débuts. De rugby de Blagnac. Exactement, c'est ça. Et en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que sur une vingtaine de matchs, il y avait 87% des utilisateurs qui ont fait la démarche pour ouvrir leur billet, pour savoir s'ils avaient un ticket d'or, pour voir le visuel, le collectionner, etc. Et ça, sur une moyenne d'âge qui avoisine ouais, facilement les 40 ans, quoi. Oui, c'est pas la génération Z dont tu parlais tout à l'heure. Exactement, ouais, c'est ça. C'est vraiment se dire, en fait, c'est quelque chose qui marche. Ben voilà, c'est très aussi l'univers du gaming, on peut l'associer ça. Ben, on se dit, ouais, c'est pour les jeunes, c'est pour l'e-sport, etc. En fait, pas du tout. Tout le monde a toujours aimé jouer, tu vois. Ben, quand on voit la génération de nos parents qui ont été beaucoup accro à Candy Crush ou autre, c'est toujours des générations qui adoraient jouer. Et qui joue encore. Et en fait, c'est vraiment comment tu joues, comment tu rends quelque chose sympa, une expérience qui est purement transactionnelle. Et donc, tu prenais l'exemple de Blagnac, du club de rugby de Blagnac. C'est bien le club de Blagnac qui décide ce qu'il fait de l'expérience fan à partir de votre technologie. Il y a vraiment un éventail possible et c'est eux qui définissent finalement cette politique qu'ils ont envers leurs fans. Exactement, ouais, c'est ça. Nous, on a vraiment toute la brique technologique derrière pour avoir aussi bah, toutes les fonctionnalités de billetterie classique qui peuvent être assez demandantes, le placement numéroté, les invitations, les abonnements, etc. Donc, ça, c'est quelque chose aussi à gérer et à très bien gérer aussi parce que des fois ça peut poser problème. Mais en plus de tous ces aspects très opérationnels, tu vas pouvoir bah, donner en fait une utilité à ton billet, lui donner aussi un petit lien émotionnel qu'on essaye de retrouver de manière digitale. Et donc ça, c'est quelque chose qui reste optionnel mais qui peut être exploité ouais, par n'importe quel organisateur d'événements. Et les types d'événements avec qui vous travaillez en dehors des clubs, est-ce qu'il y en a déjà ou... Bah, on a travaillé pas mal avec des événements privés, un peu B2B, avec l'Université de Paris. On a travaillé bah, la semaine dernière, on a fait les trophées du marketing sportif de Sportsora, donc qui était aussi un très bel événement en B2B. On discute aussi bah, voilà, avec des salles de spectacle, des festivals, des choses comme ça, parce qu'en fait, bah, la billetterie, c'est quelque chose qu'il y en a besoin un peu partout. Oui, ça va en fait au-delà du sport, peut-être votre... Exactement, ouais. Ça va vraiment au-delà du sport. On s'est vraiment focus sur cette verticale-là parce que bah, on a vu qu'il y avait quand même un manquement au niveau de l'expérience et on sait que bah, le sport, ça a des mécaniques un peu différentes, c'est sur toute l'année. Quand on supporte un club, c'est compliqué d'aller voir l'année prochaine le club d'en face pour le supporter. Oui, il y a une certaine fidélité quand même. Exactement. Il y a une certaine fidélité et en fait tu grandis avec un club. En général, quand t'es fan d'un club quand t'es petit, bah tu le restes à des échelles plus ou moins modérées, mais tu le restes quand même un peu tout le reste de ta vie. Donc il y a un vrai lien qui se crée entre un club et un fan. Et donc bah nous, depuis ce changement un peu de paradigme depuis le Covid, on s'est dit que bah le lien peut se faire à travers le billet, et ton billet aussi peut être un vecteur de communication, un vecteur de communauté, un vecteur qui va te rapprocher de tes fans et qui permet aussi d'aller plus loin que juste un QR code que tu scannes et que tu jettes à la poubelle une fois l'événement fini, quoi. Donc là, on va faire un saut dans le futur et se projeter dans quelques années. Comment t'imagines cette technologie dans 10 ans? Où est-ce qu'on peut en être? Qu'est-ce que ça peut apporter encore de nouveau? Bah, je pense qu'on est vraiment là-dessus aux prémices de cette technologie-là et de toute l'utilisation. Quand on parle de cette technologie-là, elle est très bulleuse, elle est très nébuleuse aussi, donc c'est assez nouveau. Nous, ce qu'on veut, c'est que vraiment, il y a des cas d'usage très concrets, typiquement ce qu'on fait nous au niveau de la billetterie et de l'engagement des fans. Mais voilà, il y a plein de cas concrets qui vont se développer et le but, ça va être de rendre accessible en fait toute cette technologie-là à tout le monde, quoi, à toute la population, pour les bienfaits. Et donc l'idéal, bah, c'est comme on parlait voilà, de la Coupe du Monde, l'événement 20 ans après, c'est que grâce à cette technologie-là, bah, très facilement en fait, tu pourras en fait avoir
une sorte de portefeuille numérique intemporel qui viendra un peu faire ta boîte à chaussures numérique que tu collectionnes tes billets depuis 20 ans. Et donc ça, bah, tu peux l'avoir vraiment à un endroit parce que bah, aujourd'hui, tes billets, tu les reçois par mail ou autre. Tu n'as pas vraiment un coffre-fort universel où tu vas venir stocker tous tes billets, où tu vas venir voilà, essayer de voir et leur donner aussi une utilité derrière. Et donc le but, c'est d'utiliser un peu ce portefeuille-là qui va aussi être vecteur du côté souvenir, mais aussi vecteur de nouvelles expériences grâce à ça. Et donc là-dessus, tu peux imaginer vraiment un spectre infini de choses, d'opérations croisées entre différents événements, des choses comme ça, qui peut être assez, assez cool, quoi. Le côté un peu interopérable de ça permet vraiment d'aller très loin, justement, dans ces opérations croisées. Et même, je dirais, dans le futur, au-delà de là, qui est, bon, je vais parler très, très, très billetterie, mais en fait, de ce qui me remonte dans tous ces logiciels-là, c'est qu'en fait, ils n'arrivent pas à communiquer entre eux parce que chaque système a des fonctions différentes, quoi. A vraiment une manière de faire différente, là où cette technologie-là, en fait, répond à des standards. Pourquoi pas dans l'avenir qu'il y ait un standard de billetterie version NFT ou autre, mais que c'est soit un vrai standard qui soit justement qui soit concret, où chaque solution en fait viendra réutiliser ce standard-là. Ça fera que chaque solution, chaque billetterie, même si elle est différente, vu que c'est le même standard, elle pourra communiquer entre elles très facilement. Et donc là, en fait, t'enlèves tous les problèmes de j'ai acheté sur ce ticket sur ce site-là, je vais devoir créer un compte sur un autre site, je peux pas visualiser mes tels ou tels billets. Et donc rien que cette modélisation un peu de standardisation du billet permettra aussi d'aller beaucoup plus loin là-dessus, quoi. Merci Alexandre de nous avoir présenté comment ta technologie pourrait permettre d'améliorer l'expérience des fans dans le sport. Merci à toi Jean-Baptiste pour l'invitation. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker et vous abonner sur toutes les plateformes pour manquer aucun épisode. Et on se retrouve très vite avec un nouvel invité pour décrypter la montée en puissance de la tech dans le monde du sport.